Bonjour. Beaucoup se demandent si Dieu nous parle ou pourquoi ce grand silence de Dieu. J'espère que tu cherches Dieu. Sinon, d'après moi, c'est un peu dangereux. Les évidences sont très claires, d'après moi, de l'existence de Dieu. Un Dieu d'amour en passant. Je sais que ce n'est pas facile de croire, car notre époque nous rend la recherche deux fois plus difficile. Une phrase qui dit « Quand le peuple ne croit plus à rien, on peut lui faire croire n'importe quoi. » Moi, je fais confiance à ceux qui ont passé avant moi, de grands penseurs, et de grands maîtres spirituels ont vécu bien avant nous et comme toi et moi. J'ai envie de dire que Dieu est silencieux en lui-même, qu'il est silence éternel, parce que son être purement spirituel n'a pas besoin de langage. Le langage de Dieu, c'est le silencieux amour, nous dit un grand penseur, Jean de la Croix. Mais, quand on parle de la relation de l'homme avec Dieu ou de Dieu avec l'homme, Dieu entre en communication dans le mode d'être de l'homme. Il nous parle par les prophètes, par le Christ, par les sages, par nos amis. Tout devient parole de Dieu à condition d'apprendre à écouter. Mais fondamentalement, Dieu est silence. C'est très difficile pour nous de comprendre cela. Thomas Merton dit, « Avant que le Seigneur ne veuille que je fasse quelque chose, il veut d'abord que je sois. Ce que je fais doit dépendre de ce que je suis. » Et il ajoute en disant, « La raison pour laquelle les hommes sont si anxieux de se voir, au lieu de se contenter d'être eux-mêmes, est qu'ils ne croient pas vraiment à leur propre existence. » C'est très sérieux, cela. Le phénomène du selfie et de tous les réseaux sociaux peut être la source de tous les problèmes de notre époque. Thomas Merton ajoute cette phrase qui mérite d'être relue et relue. « Ce que je cherche, c'est simplement être. Et le voici. Voici la paille, voici la pluie, voici le silence. Et le silence, est-ce que Dieu est là? » Voilà. Bonne réflexion et bonne journée.